Ces commerçants chinois de Saint-Laurent-du-Maroni visionnent l'agression de l'un des leurs. Une agression de trop pour une communauté qui vit dans l'insécurité. Face au nombre de braquages en hausse constante, ils réclament des effectifs et des moyens. En 25 ans, je n'ai jamais vu 3 braquages, 4 braquages par semaine. Et pourtant, les gendarmes travaillent. Et pourtant, nous travaillons avec les gendarmes. Le sentiment de peur grandit également au sein de la population. Les autorités affirment tout mettre en œuvre pour endiguer les violences. Nous avons totalement réorienté nos services et densifié notre maillage au niveau de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Plusieurs services, plusieurs patrouilles sont mises sur le terrain, sur roue, pour lutter contre ce phénomène. Les commerçants attendent l'instauration de mesures durables, un dossier qui intéressera Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, attendu sur place le 11 septembre.